Ils sont restés. Ils sont restés. Vous êtes dingue. Je ne suis pas John. Non. Et je ne suis pas François Pérus. Voilà, bon, ça c'est tout. Voilà. Mais bienvenue dans cette magnifique tentacule où nous allons parler de beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Donc vous avez que des choses qui vous intéressent. On a très très bien préparé notre. Absolument. Notre, on a trois pages de notes devant nous. On a un prompteur à l'arrière. Et il y en a qui s'en rendent d'ailleurs, ils ont compris. Non, non, ça va être très intéressant. Voilà, on va commencer par parler de quelque chose. J'ai juste... Alors, il s'est passé un truc un peu exceptionnel hier. On a diffusé toute une saga, enfin, presque toute. Parce que si on avait diffusé la totalité de Reflet d'Acide, je pense qu'il serait encore sur place pendant deux jours. Mais non, non, ça dure 9h20, c'est bon. Qui était hier à la salle Fée pour écouter l'épisode 16 de Reflet d'Acide? Ah, oui, il y a eu des courageux. Qui a écouté la... Pardon? Ah oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Ah oui, aucun souci. Qui a écouté, du coup, la totalité de la saga dans la salle? Waouh, il y a quelques heures. Bravo pour votre courage, les gars, bravo. Et est-ce que vous avez aperçu que l'épisode 7 et 8 n'étaient pas dans le bon ordre? Ah, c'est moche, ça. Personne ne bouge, on va tout recommencer. Surtout pas, on va recommencer. Et donc, du coup, voilà, ça a commencé par l'épisode 16, puisque comme oui, toute voilà, saga voilà. qui se respecte et qui se finit en 15 épisodes, il y a eu un épisode 16. Ouais, pourquoi sûr. Ah, alors... Donc alors, Reflet d'Acide, je vais présenter pour ceux qui ne connaissent pas Reflet d'Acide. Ah... Ah, c'est grand écrit, là, non. Non, c'est, tu peux te lever, qu'on voit ton pouvoir de troll, s'il te plaît. Alors, pour te résumer un petit peu, Reflet d'Acide, au départ, c'est une saga que MP3, que j'ai réalisé suite à l'écoute d'une autre saga qui s'appelle Le Donjon de Nullbuck. Comme j'ai adoré ça, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite saga pour mes amis rôlistes. Tout à fait. J'ai commencé à en faire faire donc une petite aventure pour me moquer de mes amis rôlistes. Parce qu'on va parler du jeu de rôle notamment. Parce que nous avions un jeu de rôle au départ, c'est qui s'appelait Reflet d'Acier. Et moi, pour faire une sorte de parodie très très léchée de Reflet d'Acier, j'ai fait Reflet d'Acide. Donc c'était vraiment un private joke au départ, qui a mal tourné, puisque 15 ans après, je suis encore là pour raconter cette histoire interminable et totalement irrésumable, parce que j'ai essayé hier. C'était pathétique, c'était lamentable. C'est pas qui a créé cette... Je me rappelle de la diffusion qu'il y avait eu sur Synops à l'époque, Synops, tout à fait, ouais. Avec donc une interview, en fait, un échange pour mettre en place l'histoire avant d'utiliser l'épisode 16, histoire que, tu vois, dans le résumé des épisodes précédents. Donc en fait, le résumé des épisodes précédents prend quasiment plus de place dans la soirée que l'épisode lui-même. C'est un peu riche. Bon. Il y a beaucoup de personnages, etc. Donc bon, voilà. Après, il faut passer les 6 premiers épisodes qui me font honte. Voilà. Oh, ils sont gentils. Ouais, oui. Et après, voilà, c'est parti pour 9h20 d'écoute. Ah, en fait, c'est 9h40 plus exactement, puisqu'il y a un épisode qui est le préquel de l'aventure, qui est un peu caché. Mais vous l'avez sûrement entendu. Voilà, donc, en tout cas, on va parler, nous, du jeu de rôle, surtout. Donc, notamment, Reflet d'Acier. Voilà, parce que Reflet d'Acier, ça date de quand? Je sais pas une question qu'on pose. Alors, du siècle dernier, puis, bon, on n'est pas très mort. En 1996, on avait donc créé un jeu de rôle, en fait, qui se basait sur l'œil noir. Un vieux jeu de rôle allemand. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que Nullbuck s'est basé aussi sur l'œil noir. Voilà. John avait cette idée aussi. Alors, autant Nullbuck a su simplifier les règles, autant Reflet d'Acier est absolument imbuvable. C'est, ça, on a complexifié. Il y a quelques personnes voilà, qui n'ont pas survécu. Vous voyez, la sortie de Parce que le jeu, en fait, on l'a développé, et du coup, il fait 150 pages. Pour faire un personnage, il faut 2 heures. Donc voilà. Mais en tout cas, ça pourrait être marrant de créer vos persos, ça vous donnera un aperçu du système de jeu. Ouais, bah on va créer des persos, je sais pas si on aura le temps de jouer. Ok. Donc là, il sort 4 pages.
Ouais, bon, ah, ça, recto c'est, verso, c'est d'accord. Oui, non, non, bon. C'est ta fiche de perso. Voilà. Donc, à l'inverse, le jeu de rôle de Naël Buck, il a réussi à, oui, à garder le cœur des règles avec le dé qu'on jette qu'une seule fois, sauf en tant que critique, alors que quand tu portes une attaque dans Reflet d'Acier, tu jettes... Je ne me rappelle plus. Alors, on avait un D12 pour localiser, etc. Où on tapait, on pouvait descendre si on réussissait quasiment le meilleur score. Par exemple, on avait 14 en attaque, si tu faisais 14, c'était une réussite critique. Donc, voilà. Et ça nous donnait des points supplémentaires avec des tranches comme... Bref, alors... C'était très intéressant, mais on a arrêté d'y jouer depuis longtemps, voilà. Et les joueurs ont inspiré les personnages. Et oui, voilà, on a quand même joué très très longtemps dans Reflet d'Acier, puisque nos personnages étaient vraiment niveau 12, niveau oui, 11, passé 12 même, et on allait les mettre à la retraite. Bon, après on avait le problème géographique de se voir les uns les autres, forcément, c'est toujours le même problème. Puis Internet est arrivé. Et donc il y a d'autres cercles de joueurs qui se sont créés, et notamment depuis 2011, j'ai la chance et le plaisir et l'avantage d'être un cobaye pour un jeu notamment, un deuxième jeu qui s'appelle John Long, Grégory, voilà, on joue en fait à Naël Buck Online depuis 6 ans maintenant, avec des personnages qui sont au niveau 11, on a bien progressé. Je vais vous en parler après, mais d'abord... Oui, on va continuer parce que tu es allé plus loin encore sur Reflet d'Acide. Oui. Parce qu'il y a donc il y a eu le jeu de rôle au départ, oui, qui a inspiré la saga. Voilà. Et puis, parce que c'est toujours au meilleur moment, il y a eu des idées à la con. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui est passé dans la tente à jeu, là-bas, qui est à l'autre bout du festival? Qui a pu essayer le jeu de plateau de Reflet d'Acide? Encore. Ouais, c'est le problème. Et non, mais là, aujourd'hui, ça sera... Ouais, j'ai deux, trois idées pour faire un jeu basé sur Reflet d'Acide, où on serait des narrateurs qui racontent l'histoire d'une équipe d'aventuriers. Ça change un peu d'être une équipe d'aventuriers qui fait la même histoire. Ça pourrait être ci, puis ça, puis ça, puis ci, puis ça. Et puis ça fait un jeu de plateau, quoi. Alors pour résumer, le jeu de plateau, Reflet d'Acide, c'est un mix entre un jeu de rôle et un jeu de plateau. L'idée qui dure 20 secondes en 2007, c'était plutôt que de jouer en fait le rôle de héros, on joue le rôle de MJ finalement. On joue le rôle des meujeux. Mais dans ce monde de Reflet d'Acide, ils existent vraiment. C'est une sorte d'ange gardien au service d'un dieu, le dieu des aléas et du hasard. Il est d'accord avec moi. Donc en fait, on joue des narrateurs et on essaye de guider, d'influencer des héros. Et ils font pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc, et le jeu, effectivement, s'est développé depuis 2012. Voilà. 97 pions, 857 cartes. C'est pas vrai, il n'y a que 275 cartes. Il y a 125 jetons, 42 trucs, il est assez dense. On peut y jouer seul, parce que je me suis rappelé de moi quand j'étais jeune, je n'avais pas d'amis. Donc, non, en fait, c'est pas ça, c'est que quand j'achetais un jeu de plateau, je ne pouvais pas y jouer, puisque je n'avais pas mes amis sous la main. Donc là, on peut y jouer seul, à deux ou à trois, en mode coopération. Là, vous gardez vos amis, et après, on peut y jouer en compétition de 3 à 6 joueurs, et là, vous perdez vos amis. En gros, le pitch c'est ça, vous jouez en narrateur, donc une sorte de MJ, ange gardien, et vous êtes des sadiques en fait, puisque votre point de vue c'est celui de narrateur, vous voulez raconter l'aventure la plus épique qui soit, avec des trahisons, du sang, des larmes, ouais. Et il est quasiment terminé. Oui, il est quasiment terminé, le truc, j'ai un éditeur depuis 2 ans, et malheureusement c'est le design qui pêche un petit peu, parce que dans un studio, c'est Edge en fait qui va sortir le jeu. Edge qui va sortir le jeu, j'espère à la fin de cette année, pas gagné. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, fait deux ans que je dis que c'est la fin. Voilà. C'est comme l'épisode 15. Je vois pas ce que tu veux dire. oui, voilà.
Donc en fait, le jeu va sortir quand il va sortir, mais ils ont un studio en Espagne qui est sous les eaux parce qu'ils doivent jouer, enfin ils sont en train de faire des jeux sur des petites licences comme, je sais pas, Star Wars ou des trucs comme ça. L'histoire de fermier qui... Oui, voilà, c'est ça. Non, ça parle à personne. Donc bon, voilà, ils perdent du temps pour rien. Donc voilà, donc le jeu, voilà, j'ai pu le faire tourner pas mal ce week-end. Mais c'est des parties évidemment qui sont à l'image de Rocky, ça dure un peu plus longtemps que certains jeux. Le mode coopération. Coopération c'est une heure et demie. Et le mode compétition. Sur 2h30 à 6. C'est la soirée. Non, 2h30 à 6 maintenant, voilà. Tu vas le présenter un petit peu cet après-midi. Et on va voir. Rapidement. Si vous voulez voir le bestiau, vous pouvez vous faire le pitch. Voilà. Ça se passera donc, c'est dans l'attente JDR qui est complètement à l'autre bout là-bas. Donc voilà, jeu de plateau, jeu de rôle un peu mixé. Voilà. Ensuite, il a commencé par le jeu de rôle, puis tu disais, en fait, on refait du jeu de rôle depuis un moment. Alors, on n'a pas commencé sur Naheulbeuk Online, on a commencé sur un malentendu. On a commencé au Geek Ferries en 2011, je crois. Voilà. Où en fait on s'est retrouvé avec une bande d'invités qui avait pas grand chose à faire le soir et il y en a un qui a une idée débile parce que c'est toujours une idée débile. Ah bah on a qu'à se faire un JDR. Donc on se retrouve à une dizaine au fond de la salle, on s'installe, on crée des persos. Il y avait la même bande qui reste maintenant. Et on se met à jouer. John Lang passe devant la table, parce que lui, il avait quelque chose à faire. Donc il n'était pas avec nous. Il passe à côté de la table, il nous regarde, il fait « Vous n'allez jamais sortir de la taverne. » Du coup, je vais sortir une carte. Une preuve. Ah oui. Alors, je vais te tenir le micro. Voilà. Donc ils ont commencé en Terre de Fang, à peu près ici, à la fameuse taverne. Et dans l'ordre, ils sont partis ici, ils sont partis dans l'espace, ils sont revenus. Ils sont partis ici et maintenant ils sont sortis de la carte pour aller sur la carte du monde. Et ils sont quelque part par là, ils savent pas trop où parce que eux ils ont pas de carte. Enfin leurs joueurs n'ont pas de carte. John Lang, on est sortis de la taverne. Finalement, oui. Et on est devenu aussi les cobayes un petit peu de la progression du jeu de rôle de Naheulbeuk. Donc on est devenu les cobayes de John. Ça fait peur. Par contre. Et ils ont répondu. Oui, finalement, oui, on est des masos. Ouais, parce que pendant très longtemps, on a continué à développer d'autres choses pour le jeu, que ce soit d'autres types de magie, d'autres prêtrises, des systèmes de combat plus ou moins précis, plus ou moins optionnels. On est venu tester. On a aussi testé des choses un petit peu plus absurdes comme tout récemment le Noblesse de Glargue. Tout à fait, voilà. Certains ont connu le Noblesse de Glargue. Ça vous dit quelque chose? Non. Non. Ah, ça, c'est tout récent en fait. John a eu l'idée de faire une sorte de Monopoly, mais. Une idée débile. Bien améliorée quand même parce qu'on a. On est remonté juste avant. Ah, juste avant? Ouais. On a des. Leurs personnages sont riches. Bon, ouais. Leurs personnages sont radins, surtout celui de. Pas le mien en tout cas. Pas là. Oui. Non, votre tien est plus. Ma chérie, oui. Voilà, ma chérie. Le service public, voilà. Par contre, le personnage de Petulia, vous pouvez lui dire, est une radine finie. Je peux pas vraiment dire ici. Elle fait payer des intérêts pour prêter de l'argent à son frère. Et on joue en famille un peu. Et elle est même pas naine. Non. Du coup, ils sont riches et ils ont beaucoup d'or. Alors, il y avait tout ce qui est lingot qui permet de rationaliser un peu ton transport de l'or, mais c'est encore beaucoup quand tu as beaucoup d'or. Donc, ils se sont dit, tiens, et si on faisait de la monnaie papier, du billet? Ah ouais, c'est pas con, on pourrait dire que les nains inventent ça pour que l'or il reste dans les coffres. Donc, ouais. Ben, je vais les faire en vrai. Idée débile 1. Ah, ils sont super bons mes billets et tout. Et donc, avec l'histoire qui va avec, la justification de la création de la monnaie papier, les tensions que ça donne, et pourquoi est-ce que c'est le portrait d'un nain sur le billet le plus cher. Ouais, tout ce genre de choses. Ah, ils sont vachement bien, on dirait les billets des jeux de société. Idée débile 2.
Du coup, ça s'appelle Noblesse de Blague, ça ressemble au Monopoly. Oui. Sauf qu'on a des acolytes et des mercenaires, en fait, qu'on peut envoyer pour... Des domestiques. Qui peuvent gêner les adversaires ou se protéger soi-même. On peut très bien aller mettre le feu à la maison d'un voisin, ce qu'on pouvait pas faire dans Monopoly. Voilà, ça manquait. Clairement. Et ça, c'est sur le site de Juglang directement. Alors, comme tout bon Monopoly qui se respecte, on perd ses amis à la fin. Mais c'est le petit truc en plus qu'on a du coup pu tester On a testé un certain nombre de monstres du bestiaire qui est sorti en septembre dernier, avant qu'il soit testé, pour voir s'il était vraiment trop débile. Ou vraiment trop puissant. Ouais. Et en fait, toutes les semaines, finalement, grâce à la magie d'internet de Roll20 ou de Roll20 pour les francophones, et de TeamSpeak, Discord en l'occurrence, et de Nalbecomline, on peut jouer alors qu'on habite aux quatre coins de la France et qu'on se voit en vrai une fois par an ici. Quoi. Ah, t'es là. J'avais oublié à quoi tu ressemblais en vrai. C'est ça. Donc voilà. Et on reparlera de ce qui nous arrive, parce que du coup, si on est une équipe de test et connaissant les bestiaux qui sont là, vous imaginez bien que c'est pas des parties tranquilles. Hein. Non. Non, non, non. Alors, au niveau des personnages de l'équipe qui se suit depuis 2011, donc on a une invocatrice qui est jouée par ma chérie, on a un mage fou qui est joué par mon beau-frère. Il était pas fou au départ. Il a perdu trois yeux quand même. Donc voilà. C'est pas trop, mais bon. Comment on a. Mais parce qu'il le récupère entre temps, il le repère, et il le récupère et il le repère. Il y a un elfe noir, voleur, sexiliste, qui, suite à un malentendu, est une pile à mana. Du coup, les mages veulent tous coucher avec lui pour se recharger. Mais lui, il veut pas. Ou en tout cas, pas comme ça, parce que c'est pas un mec facile. On a un nain. Tout. Alors toi, t'as plusieurs rôles. On a un nain, au départ c'était même le nain de Casador. Ouais. Et ce nain en fait a quitté l'aventure pour s'établir en tant que propriétaire de Donjon Surprise. En fait, le Donjon Surprise, c'est une entreprise de loisirs où des jeunes nobles viennent louer des sensations fortes comme un parc d'attractions dans un donjon hyper sécurisé où ils maîtrisent, enfin tout est maîtrisé, je veux dire. Mais ils vont avoir la sensation d'être des aventuriers dans un donjon et de vivre des grandes aventures. Et donc, comme c'est un commerce très rentable, eh ben, le nain maintenant est propriétaire d'un parc d'attractions pour nobles en mal d'aventure. Why not? Tu joues également, alors, tu joues Jean-Pascal. Je joue Jean-Pascal, le majordome de la famille. Tout à fait. Je ne sais pas grand-chose. Je joue un noble, Bertrand de Chaudebière. Voilà. Riche, donc insupportable. Et alors, moi, je joue quelqu'un de tout à fait respectable, un prêtre d'Ilo, voilà, très sobre. Non, sauf que. Non, sauf pas Ilo. Non, pardon, Euclid. Mais oui, bien sûr. Euclid, bah oui, il s'est trompé de jeu. En fait, s'il avait été... Oui, mais en fait, il s'appelle Yanoche et je parle toujours de cette voix. Et c'est insupportable. Mais ce qui est magique, c'est qu'il prend toujours cette voix quand il joue. On a un deuxième groupe, parce que comment on peut pas toujours être là dans une campagne, c'est quand même intéressant de jouer tous ensemble, sinon ouais. Le scénario, il se perd. On a une équipe bis. On a fait une équipe bis pour les soirs où quelqu'un manque, où on joue du soldat. Et donc GBX joue un soldat lourd, un barbare de 2m30 haut, qui se bat à la hache à deux mains, et qui parle. Et c'est merveilleux, merveilleux, absolument merveilleux. Je joue Bernie, ouais, je joue Bernie en barbare, voilà. Why not? Bon, les autres, ils n'en peuvent plus. Les autres, ils n'en peuvent plus. Remarque, il nous en faut aussi des coups pendables. On a un paladin de Slanouche qui est joué par Grégo, qui est un tangidaire là-bas, dont la grande passion est un sort qui s'appelle la frénésie humide. C'est-à-dire que dès qu'un groupe d'adversaires comprend au moins deux personnes, il va lancer ce sort, cet enchantement, qui, comment dire, pousse les personnages à se livrer à leur plus bas instinct sexuel, là maintenant, c'est en se. Donc toi, tu prépares une embuscade avec des brigands surarmés. Ils sortent, ils font « Ah, la bourse ou la vie !» Ils jettent son sort et ils partent dans les buissons faire des choses. « Ah, la bourse !» Ouais. Donc moi, je suis très sobre, finalement. Donc oui, je suis le soigneur du groupe. Voilà, je tempère leurs ardeurs. Ils ont même toujours avec cette voix. Tu es soigneur du groupe, tu es aussi quasiment le seul qui meurt en fait aussi. Bah oui, c'est vrai.
Mais c'est-à-dire, parfois, on essaye de me soigner et on m'achève. C'est sympa. Ouais, c'est un coup de main, hein. Pour connaître. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, du coup? Ben, je vais m'attarder un peu plus, parce qu'on parlait de test. Et oui. Quand on parle de test, c'est qu'il y a quelque chose à tester. Quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, c'est le Grand Bestiaire des environs de la Terre de Flandre qui est sorti l'an dernier aux éditions du Grimoire. Et le Grimoire, ils sont de l'autre côté de la muraille, dans la cour d'honneur. C'est un petit livre de poche, voilà. Où on a recensé en fait tout ce qu'on pouvait avoir en termes de monstres, de créatures magiques, d'opposants, de peuples, de végétaux. On a des arbres là-dedans. Pour agrémenter les parties, c'est un bestiaire qui va pour le jeu de rôle. On a essayé de le faire en sorte qu'il soit suffisamment souple pour être utilisé dans n'importe quel jeu, avec un système de traits de puissance qui permettent en fait de savoir très vite ce qu'un monstre a dans le ventre. Par exemple, le trait bulldozer, qui veut dire que la bestiole est tellement grosse que si elle veut t'attaquer toi, même si t'es derrière tes copains au bouclier, elle t'attaquera toi. Tes copains au bouclier vont se transformer en quilles. Donc c'est un mécanisme qu'on peut utiliser dans n'importe quel jeu et du coup c'est un bestiaire fantastique. Il y a certains monstres qui étaient présents dans les anciens bestiaires qui étaient déjà dispo gratuitement sur le web. Là on s'est servi de la carte, on s'est dit « Ah bah qu'est-ce qui pourrait exister dans tel pays ? Ah j'ai une idée à la con !» Et on fait un monstre. Voilà. Et il y en a un paquet, alors on est en train de subir quelques-uns, voilà. La dernière fois, vous avez testé un démon tentaculaire. C'est ça. Un grand beau mec, avec des tentacules, quatre tentacules. Queues, qui lui sortent du dos. C'est lui qui le lance, ça. Oui, c'est ça. Mais effectivement, on parle du principe qu'il attaque avec ses tentacules suceurs. Ne vise pas, ne vise pas. Et qu'en cas d'échec critique, le tentacule pénètre un orifice naturel et donc fait deux fois plus de dégâts. Nous avons donc décidé très naturellement que ce monstre attaquerait en priorité les personnages qui se mettent à crier en japonais. Est-ce que ça fait cliché? Pas du tout. Il y en a beaucoup d'autres. N'hésitez pas à venir le feuilleter sur le grimoire ou même à la maison. Ouais. Ah. Je crois qu'il est à 40 euros sur le stand. Voilà. Et il est super inspirant, ouais, c'est clair. Un bon jeu pourrait se servir dans les livres de cuisine pour agrémenter ses scénars. C'est ce que je fais, on a été attaqué par une omelette une fois, je te dis, on est pas les mains. On peut se faire attaquer par un catalogue IKEA, surtout quand on a un mage qui a des sorts d'animation de mobilier et qui donc transforme des chaises en chaises de combat ninja. Ouais. Ça nous a bien servi, n'empêche. Chef de combat qui, sur une attaque, fera un critique, et donc tuera le dragon boss de fin de niveau. Au grand désespoir du jeu. Donc maintenant, quand tu fais une partie et que tu les amènes dans une salle, ils demandent s'il y a du mobilier. Moi, je réponds qu'il est scellé au sol. Je suis pas emmerdé. Son grand trip, sa prochaine fois, ce sera de trouver une table pour l'animer et s'en faire une monture. Parce que tous les autres sont à cheval quasiment, ils ont quasiment tous une compétence qui leur permet de chevaucher des choses. Lui, non. Donc il s'est dit que s'il était assis sur une table, ce serait pas forcément considéré comme une monture, donc il pourrait chevaucher sa table. Ouais. Voilà. On a testé le bestiaire que vous pouvez aller voir. On a quelques petites surprises encore en préparation, parce que c'est bien d'avoir une grande carte. L'idée, ouais, c'est de savoir ce qu'on met dedans, à part des monstres. Et c'est pas impossible que sous peu, il y ait justement des extensions qui se passent pour présenter tel ou tel pays. Il y a quelques mois, il est déjà sorti l'extension des confins du Givre. Une zone immense au nord de la Terre de Fang, où il fait beaucoup plus froid, où la vie est beaucoup plus rude et où les barbares sont beaucoup plus chevelus. On a développé justement cette région-là pour en faire une deuxième zone d'aventure pour les personnages de haut niveau. Ça n'empêche pas certains personnages de bas niveau de se dire « Ah ouais, je vais monter dans les confins du Givre, ouais, parce qu'ils ont des armes super classe et comme les monstres sont de haut niveau, je vais gagner beaucoup d'XP. » Ou mourir plus vite. Ou mourir plus vite. Ouais, voilà. Donc, restez à l'affût, puisque il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de compléments pour le jeu de rôle Nullbug qui sortent régulièrement, testés et approuvés. Oui, par de grandes marques de la vaisseau. Voilà. Ils sortent régulièrement.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, justement? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur nos aventures épiques, plus ou moins je ne saurais le dire. Il y en a trop à dire. Oui. Ou à ne pas dire, justement, à ne pas dire. Mais on va peut-être vous donner le nom du groupe aussi. Oui. Voilà. Donc le nom officiel du groupe, ce sont les Collégrammes. Voilà. Parce qu'on est épique. Et Collégrammes. Voilà. Le nom courant du groupe, ce sont les Fumblistes. Oui, parce qu'on fait beaucoup de fumbles aussi. Avant, dans les premières versions du jeu, pour ceux qui s'en rappellent, les fumbles se faisaient sur un des 20, sur 19 et 20. Ouais. Et les réussites critiques sur 1 et 2. Ce qui donnait une chance sur 10 à peu près de faire une connerie. Ce qui est beaucoup. John s'est dit, ouais, c'est peut-être beaucoup, ça introduit beaucoup d'aléatoires, on va changer ça. Donc il a fait, dans une version améliorée, enfin, évoluée du jeu, il a réduit ça, on ne fait plus que des critiques sur 1 et des fumbles sur 20. Donc moi je suis triste en tant que jeu. Eux par contre ils étaient contents. Oui, ça allait, sauf qu'on faisait beaucoup de vin. Oui, de plus en plus de vin. Ils en faisaient quand même pas assez à mon goût. On a attiré l'attention d'une divinité maléfique qui s'appelle Manque de Bol. Ils ont dérangé un culte, un jeu qui voulait amener Manque de Bol sur la planète, sur Kang. Pour provoquer la déveine, parce que c'est des cultistes, on se pose pas la question de leur motivation. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu voudrais invoquer Cthulhu ? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu voudrais invoquer Moque de Bol ? Oui, ah, bon, ben voilà. Je sais pas, ils doivent se dire que parmi tous les gens qui ont peu de chance, eux, on aura peut-être un poil plus, du coup, et seraient riches. Je sais pas ce qui peut se passer dans ce cerveau. Ils sont des envieux. Enfin bref, l'équipe fine d'aventuriers arrive dans ce truc et dérange un culte. Donc ils se bastonnent en particulier contre un avatar de Moque de Bol. Qui est là-dedans et qui présente la capacité d'augmenter tes chances de maladresse. De rater. Voilà. Et donc ils en ont fait beaucoup. Et ils ont réussi le tour de force de le tuer sur un sort anthropique, c'est-à-dire sur une maladresse. C'est quand même super classe. Parce que le démon a très peu de points de vie. On est un peu sur la fin du combat, mais ils n'ont plus moyen de le savoir, puisque oui. Un démon ça saigne pas. Donc ça peut durer, ils s'estiment en danger eux aussi. Et sur la dernière attaque, le paladin lance son dé, fait 20. Donc on fait merde. On se dit, ça va partir en couille. Il relance son dé, ça refait 20. Donc ça part en couille. Ça part en sort anthropique, ça fait une surcharge de loose dans la pièce, ça explose en slime de dévène un petit peu partout. Le monstre se dissout complètement, parce que même pour un démon de Manque de Bol, ça fait trop. Le démon l'est maudit. Et tu l'y as fait. Non. Normal. Non. Donc Madame Pock, fait « Tu vas pas oser. Le démon vous maudit. À partir de maintenant, vous ferez vos fumbles sur 19 et 20. Ouais, ça me fait pas rire, moi. Donc, effectivement, maintenant, on est en quête, on a donc la quête de savoir comment on se sort de ce sort. Parce que c'est un peu pesant à la longue. Parce que, évidemment, on n'a pas les critiques sur 1 et 2, c'est toujours sur 1. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas juste. Voilà. Si. C'est cette notion de juste, pas juste. C'est l'histoire qui va dans ce sens-là. Oui, voilà. Du coup, bon, ils ne le savent pas encore. Arrête d'écouter un instant. Oui. Ils vont se promener en dehors de la Terre de Fang, sur les traces d'une ancienne prophétie qui va les amener dans un gouffre qui n'a pas de nom. Au fond duquel, ils trouveront peut-être une solution à leur malédiction. Et c'est honteusement un prétexte pour les faire se promener dans les régions de l'Atlas et tester du coup en situation réelle les différents monstres, peuples, opposants, relations qu'on va créer au fur et à mesure. Voilà. Je suis bassement opportuniste et j'ai créé mes opportunités. Pas du tout. Mais avant ça, parce que ça c'était la dernière histoire. Tout à fait. Il y a eu un scénario qui vous a occupé un bon moment sur une idée à la con. C'est toujours une idée débile au départ. On est à l'époque de la saison 1 ou 2 de Games of Thrones. Ouais. Avec cette phrase super classe, il n'y avait que ça en teasing en fait. Games of Thrones. Winter is coming. Merci. Donc à partir de cette phrase, l'hiver vient. Ils ont joué pendant 11 heures.
Ah oui, quand même. Hein. Ils sont tombés en plein été sur un commerce de pulls qui se faisait attaquer. Donc ils ont protégé les marchands de pulls qui se faisaient attaquer. Ouais. Sans comprendre pourquoi les mecs ils venaient livrer des pulls au mois d'août. C'est-à-dire, je ne suis pas dans une équipe qui réfléchit beaucoup. Je trouve que ça manque un peu d'enquête, moi. Le lendemain, il neige. Donc forcément, les vendeurs de pulls font fortune, effectivement. Par contre, la neige n'a pas l'air particulièrement naturelle. Donc ils font leur petite enquête. Un petit peu quand même. Et ils tombent sur une tour d'où sortent des nuages qui se condensent et qui créent de la neige dans la région. Qui vont affronter la tour, ils explorent, et ils cassent finalement la machine qui provoquait la glaciation. Bah attends, les commerçants s'en vont prêts à tout dans aventuriers. Ils étaient tombés sur quand même des commerçants qui avaient embauché un mage et conclu un pacte avec des puissances d'un plan du froid parallèle pour ouvrir un vortex, faisant pénétrer de l'air froid et de la neige pour baisser le climat et pouvoir vendre leur pull. C'est dire le niveau, les gars. Hein. Ouais, bon, voilà. Donc forcément, c'est le genre de scénario où quand tu arrives à la fin, les joueurs, ils t'en veulent un petit peu quand même. Ils veulent des choses épiques avec des dragons, mais en même temps, quand tu leur mets des dragons, vous les butez à bout de chaise. C'est une histoire d'équilibre. La tour Movac. Oui, magnifique. La tour Movac, une vingtaine d'heures de jeu, plus que ça. Oui, oui. Très beau scénario, très bon donjon organisé par John. Ouais. Le boss final. Donc le boss final, sorcier puissant dans une bulle d'invincibilité, grosse bestiole derrière. Ouais. Très bien. Tour 1, attaque 1, le familier. Critique, décès instantané. Action 2, le mage. Je connais cette bulle, c'est une sphère d'invisibilité de Xandar, je peux lancer la même. Ouais. D'ailleurs, tu dis, oui, d'ailleurs, je vais lancer la même pour me protéger. Toujours, c'est le voilà. Réflexe. Je vais essayer de la dispel. Critique. Ah ben. Action 3. Bon bah du coup il appuie sa bulle d'invincibilité, je fonce. Critique. Fin du boss final. Voilà. Essayez mais non, possible ça. Oui. Donc tu comprends pourquoi je vous veux que vous ayez les fumbles sur 19 et 20 parce oui, que c'est... Oui, bon, d'accord. On a même tué un de tes magnifiques. Je sais plus qu'est-ce que c'était déjà comme créature. Le dragon mécanoïde ouais. Animé par le froid de. C'est ça, transpercé par un phénix, il passait par là. Vous leur faites des scénars alambiqués avec des monstres magnifiques, voilà. Une histoire. C'est comme ça que je fais. Il y a eu sur un démon, le Pazuzu. Pazuzu, c'est alors le nom est ridicule, mais en fait c'est le démon de l'exorciste. Donc, vous voyez, il est pas sympa. Et il est aussi présent dans Persona 4. Ah oui. Ce qui ne dit rien à personne. Ah oui, non. Mais là, et ben là, c'est Yanoche, prêtre de Euclide, qui lui a donné un coup de marteau sur la tête. Il est mort. critique. Un démon. Oui, là, oui. Alors ça marche aussi dans l'autre sens. Oui. L'un des tout premiers combats, c'était une hyène à la sortie du village. Elle a survécu. Ils étaient niveau 1. Mais elle n'a pas perdu un point de vie. Elle les a niaqués, eux se sont tapés entre eux. Elle s'est échappée. Voilà. Et le combat quand même qui restera le plus épique, c'est ce gobelin, seul, face à nos 6. Plus niveau 1. C'était un gobelin ninja, c'est pas possible. Il a fait des trucs pas possibles, donc on s'est tapé entre nous, bien sûr, parce que quand on s'aime, on ne compte pas. Et à la fin, quand même, parce qu'il avait piqué de nous, il s'est suicidé. Un fumble, voilà. Heureusement. Merci à toi. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Mais lui non plus, du coup. Qui plus. Donc on a beaucoup... Bon, on se marre bien. Déjà. Oui, ah oui, c'est clair. Des fois, il y a des soirées. Il y a des choses qui ressortent, d'ailleurs, dans les travaux des uns et des autres, pour la création, je crois. Il y a eu un truc dans l'épisode. Oui, tout à fait. On a donc Chami,
Julia, qui joue donc une invocatrice avec son frère, qui joue donc le mage fou. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils sont frères jumeaux, voilà, sauf lui. Voilà. Bon, et donc, ils utilisent beaucoup de mana, forcément. Et donc, à chaque fois maintenant, ça coûte des points de mana. Donc parfois, on leur dit, mais si, allez-y, allez-y. Mais non, ça coûte de la mana. Donc, on les appelait les rapias du mana. Oui, épisode 16. Et voilà, et du coup, moi, dans l'épisode 16, forcément, Enoriel qui utilise de la mana, je lui ai fait dire... Enfin, je lui ai donné ce petit trait de caractère où il essaye d'économiser un peu sa mana. Voilà. Son ou sa mana, j'ai jamais su si c'est voilà, féminin, masculin, ça dépend des moments. Ok. On peut faire un vote. Vote. Le mana. Ah, le mana. La mana. Ah, voilà. On dit bien la mana bleue. La mana. C'est la mana bleue, voilà, c'est pour ça. Ça marche pas là. Bleu. Voilà. La mana la plus belle, bien sûr. On est retourné dans les années 20 avec ce magnifique titre de Paul Joubert. Tu connais ça ? Hélas, oui, je suis né dans les années... Non. Non, j'ai une culture de ces années-là grâce à mes parents. Merci pour les traumatismes de l'enfance. À cause de tes parents. Viens, Popoule, viens, Popoule, viens. Voilà, on va pas tous les faire. Donc... Et est-ce que vous voulez qu'on fasse des questions-réponses? Alors, le principe est simple, vous posez des questions, on essaye de répondre. Par contre, nous, on peut aussi vous poser des questions. Oui, aussi. Donc, méfiez-vous quand même. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le Buck Online, franchement, vous pouvez essayer parce que c'est super simple de jouer avec des gens que vous ne connaissez pas. Il y a des liens d'amitié qui se créent sur ce forum. Alors, il y a un forum, il y a donc le site. Sur Discord, ensuite, on peut discuter de vive voix. Grâce à Roll20, qui est gratuit, on peut également participer donc à ces parties, avoir une vision de... Comme si vous étiez autour d'une table, finalement. Une vision d'en haut, avec... vous pouvez voir même l'été faire des vins. Aventure. Voilà, vous voyez, de toute façon, aventure. Même chose, mais en direct. Voilà, vous pouvez effectivement tester. Qui teste déjà des jeux de rôle de Nelbuck Online dans la salle? Qui aimerait tester? Oh, il y en a, oui, donc n'hésitez pas, enfin, vous aurez pas mal d'informations effectivement sur le forum de Nelbuck Online. C'est une communauté de joueurs qui rassemble du monde pour faire des parties, pour mettre des joueurs en contact qui veulent faire des campagnes, ou pour faire des parties en one shot pour ceux qui veulent aussi, qui veulent découvrir. Ils sont assez nombreux du côté de la Tangidaire. Il y a plusieurs jeux qui vous ont fait jouer d'ailleurs tout le week-end. Pas assez de jeux qui vous ont fait jouer tout le week-end. Donc, des fois que ça fasse naître des vocations, viens jeu, c'est bien. Voilà. Moi j'aurais bien essayé, bien voulu, mais j'étais claqué. Je ne pouvais pas tout faire ce week-end. C'était pas possible. Est-ce que vous avez des questions sur tout et n'importe quoi? Les gants blancs, c'est mauvais signe. Non, c'est mauvais signe quand il est à genoux. Pardon. Je ne vais rien dire. Bonheur, voilà, d'accord. Okay. Oui, en fait, sur le coup, je vais commencer par... Ce n'est pas une question, en fait, donc c'est pour ça que j'aimerais commencer en premier. C'est plus pour JDX. Ah. C'est juste un immense merci, en fait, pour toute la saga. Parce que ça date d'il y a un moment, c'est une amie qui n'arrêtait pas de m'en parler encore et encore. Refait de l'acide. Et moi, je connaissais le donjon de Nalbuck. Bon, j'ai écouté la première saison que j'adore encore aujourd'hui. Et on m'avait tellement parlé de Refait d'acide qu'à un moment j'ai écouté, j'ai dit tiens, c'est vrai qu'on en avait parlé. J'ai écouté le premier épisode et je les ai tous fait d'affilée, mais direct. D'accord. Et encore. Et merci, juste merci. Merci de me suivre depuis si longtemps. Enfin, moi, c'est toujours, je suis toujours étonné qu'il y ait des gens qui... Hier soir, j'étais particulièrement étonné qu'il y ait autant de monde en fait pour suivre l'épisode 16 en direct. Parce que c'est une grande expérience d'écouter. Il n'y avait rien, parce que je n'ai pas mimé hier soir l'aventure. Hein. J'aurais pu le faire, mais non, je ne l'ai pas fait. Pour être un peu visuel. Si mais non. Si on a le temps, tu le feras là. Non, c'est bon, voilà. Donc merci beaucoup pour ton message. Parce qu'après, il y a Corben qui va nous taper dessus. Est-ce que vous avez d'autres des questions? Oui. Moi j'avais une question pour le dragon noir ancien. On a le retour de Poc sur le site, mais quel est votre retour réel sur les situations du dragon noir ancien que vous avez affronté?
Alors, le, bah, ça s'est bien passé. Celui que vous avez vu à la sortie de la chaussée, ça. Tout à fait, ouais. Et ça fait quatre parties qui sont dans un tunnel, ils arrivent dans une vallée, dragon. Oui, normal. Voilà, bah, et puis, je bon. Suis comme ça. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, oui, raconte-moi. Ouais. Voilà, disons. En fait, on avait eu affaire à, je crois, au petit du dragon noir, juste avant. Et oui. Et on l'avait bien tatané quand même. Du coup, ça n'a pas dû plaire au grand. Vous lui avez sauté sur le dos, vous l'avez rendu ridicule, vous l'avez presque dressé. Moi, je voulais en faire un PNJ, parce qu'un dragon, c'est assez intelligent pour être un PNJ. Ouais. Récurrent, vous voyez, en faire un ennemi. Et donc avec effectivement le dracocir, le gros, qui vient, qui ouais. terrorise des villages, et les aventuriers passent par là. Qu'est-ce que ça fait un aventurier quand il y a un dragon qui terrorise un village? Bah voilà, voilà, alors, c'est une mission classique quoi. Hein, donc il marche tranquillement et le dragon arrive. Voilà. Et donc, eh bien, le dragon nous parle très gentiment, on n'est pas d'accord a priori sur ce qui s'est vraiment passé, il nous en veut un peu. On l'attaque, on le tue et je meurs. Mais je meurs parce qu'on a essayé de me soigner. Voilà, en fait. Le combat se passe très bien au niveau du jeu. On a testé plein de choses, il y a eu beaucoup de jolis effets. Il y a eu un bon ratio de maladresse et de coups critiques. Il y a quand même un personnage qui s'est fait renforcer par magie, par ses alliés, qui s'est mis avec à l'avant et qui essayait d'encaisser le temps qu'il pouvait les différents coups. Ça se passe très bien. Ils mettent des coups aux dragons, ils se servent de leurs familiers pour faire des diversions. Très bien, intelligent, vraiment le combat. Ouais, incroyable. Limite, on serait cru dans un jeu de rôle sérieux. Voilà. On arrive en fin de combat et tout le monde est blessé parce que du coup, c'était un combat challenging pour le coup. C'était. C'est un gros noir quand même. C'était un jeu rigolo. Ouais, c'était eux. Et donc, on se dit, on va se soigner. Bon, moi j'étais très très en. Ouais, j'avais bien pris, forcément, j'étais aux premières loges. Du coup, le paladin de Slanouche, joué par Grégo, toujours prêt à rendre service, qui dit « Attends, moi, mon sort, je peux soigner une personne, donc je le fais sur toi, alors, et comme là, ça, toi, tu pourras soigner tous les autres. » Alors, c'est ça. Et là, je me rappelle de ce que Yanoche a dit. « Non, non, c'est bon. » Bon, Grégo. Fumble de Grégo sur le soin, donc il m'a achevé. donc, voilà. Heureusement, nous avions. Le dragon n'a tué personne. Voilà. Le soigneur a tué quelqu'un. Voilà. Mais donc, très éthique. Oui, mais ça a permis à Yanoche de rencontrer son dieu. Aussi, en plus, tout à fait. Il lui dit Yanoche. Oui, absolument. Yanoche, j'ai une mission pour toi. Ah ouais? Voilà, tu vas voir. Super. Et donc, je ne sais pas encore. Je sais un petit peu, mais pas trop. Moi non plus. Voilà. Pour l'instant, tout est maîtrisé. Non, combattre le dragon, aventurier de niveau 10, c'est velu. Ils sont 6, il y a du magicien, ils sont organisés, ils sont optimisés. J'enverrai pas ça à des équipes plus basses, ce serait une punition. Ouais. Donc voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble. D'autres questions? Oui, ouais, bonjour. Dans la saga Adeptus Toxis, oui. Il y a une apparition des équipes d'Horror Fantasy. Je pense qu'il n'y a pas eu l'apparition de l'équipe d'Adeptus Toxis d'Horror Fantasy. Alors si, il y a eu l'apparition des aventuriers d'Adeptus Toxis dans l'épisode 12. Avec Teddy. Oui, juste ça, mais on ne joue pas la même... Le truc, c'est que la première fois, quand on avait fait c'était un peu gratuit. Bon, on n'avait pas intégré vraiment ce qui se passait d'Horror Fantasy dans Adeptus Toxis. C'était un clin d'œil, en fait. Tu veux dire que c'était une idée débile? C'était une idée totalement débile, mais voilà. Et Nico et Matt, après, j'ai eu une petite fenêtre de tir pour les inviter, les intégrer vraiment dans le récit, on va dire, de Reflet d'Acide. Et eux, ils se sont dit, mais on va essayer de mettre ce moment-là, nous aussi, de notre côté, on va l'intégrer à ce qui se passe dans Adobrix Toxis. Donc du coup, il y avait une cohérence dans les deux univers. Mais la première fois que l'équipe de Reflet d'Acide apparaît dans Adobrix Toxis, il n'y avait pas vraiment de cohérence. Voilà, c'est ça l'astuce. Mais voilà, mais ils apparaissent bien dans le... Voilà, c'est ça. Et en fait, très souvent, les sagas, les personnages des sagas MP3, ils se croisent les uns dans les autres. Il y a toujours un petit truc en arrière-plan qui va se rappeler, ou carrément une interaction avec des dialogues. Il y a beaucoup de sagas MP3. Ouais, tout à fait. Nalbug l'avait fait avec Survivor. Voilà, on en a eu sur Byzanta. Il y en a eu bien sûr. Voilà. D'ailleurs, tu l'as très très bien prononcé. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ça, pour Radio Prix. C'est aussi ce qui rend cette histoire-là intéressante, c'est justement de faire des croisements un petit peu improbables. Et puis des fois, ça fait des épisodes entiers
où il y a des personnages de toutes les sagas qui se rencontrent. Il y avait des gens qui étaient là en 2010-2011 au Geek Fairies. Le choc des zéros, ça vous dit quelque chose? Ouais, voilà, voilà. Donc ça, c'était un gros projet totalement improbable qui a mis 7 ans, comme quoi on peut faire plus que 5 ans pour sortir un épisode. Et là, voilà, c'était un gros bazar, mais c'était très difficile à organiser puisqu'on s'était bien amusé à faire chacun des voix de nos personnages et on avait tout rassemblé dans une histoire improbable. Que vous pouvez retrouver le choc des zéros. Ça tiens, d'ailleurs, j'ai une question. Qu'est-ce qui est plus long que le délai entre deux épisodes de Reflet d'Acide? Le délai de Reflet de quoi, de Cotte? Non, c'est pas vrai. Ça. Livre du Paladin de Sanouche. Ah! Oui, c'est grâce à Knarf, je n'ai pas le temps d'attendre le plus long entre deux épisodes. Merci Knarf. Qui fait le survivant. Voilà. Donc voilà, c'est lui qui a le record et je lui laisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, j'avais une petite question sur le bestiaire de Nunchuck. Quelle est la créature la plus mortelle mais aussi la plus ridicule? Mortelle et ridicule. Alors moi j'ai testé l'orchidée tentacule. C'est un bon choix. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? L'orchidée, tu verras bien. Ah. Donc c'est une plante. Et j'ai le bestiaire chez moi, je vais regarder. Avec des racines qui s'animent et qui sont capables d'attraper effectivement des gens pour les emmener vers la plante où ils se font becter. Donc ça marche très bien sur des animaux, ça marche un peu moins bien sur des aventuriers qui sont des brutes de combat. Mais effectivement c'est un bon choix parce qu'on ne se méfie pas d'une orchidée. Je vais en donner deux. Ah. Voilà, le côté, pour le côté mortel et pour le côté ridicule, ils sont pas mal là. Il y a une bestiole qui s'appelle le sautopaf. Le sautopaf. Le sautopaf. Donc au départ, le sautopaf, c'est un dessin de Guillaume Albin, donc il fait la malédiction de Thierry Louis, il fait Donjon Service, on peut retrouver aussi sur Facebook. Il fait les sbires du donjon, qui est en train de sortir, et qui met en scène donc Gérard le Terrible, le bourreau du donjon d'Albuc. Qui, se retrouvant chômeur quand le donjon de Nalbeuk qui est récupéré par la CDD, ils se retrouvent sur les routes avec la serveuse de l'auberge. Et les sbires de Nalbeuk, ce sont leurs histoires, pub gratuite. C'est lui qui a fait l'illustration du bestiaire, 200 illustrations. Et le sautopaf, c'était un dessin qui traînait, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait son dessin, mais c'était pas une commande, on ne savait pas ce qu'il avait dessiné, donc on a fait le monstre à partir du dessin. Donc le sautopaf. Il saute au paf. C'est une petite bête avec des dents, qui est essentiellement des dents d'ailleurs, qui a des jambes puissantes, qui attaque la partie charnue des gens. Ah oui, d'accord. D'où le il saute au paf. Okay. Et histoire de rajouter deux trois trucs, on s'est dit que le saute au paf, il pourrait avoir un effet un peu creeper. Parce qu'il est dessiné avec des petites pattes toutes rondes, donc il est relativement silencieux, comme un creeper. Et donc on s'est dit que le creeper, comme un creeper, s'il était trop vite secoué, il pourrait exploser. S'il prend un coup un peu violent, il peut exploser. S'il est arraché suffisamment fort, il peut exploser. Voilà, s'il y a un sautopaf qui explose à côté d'un autre sautopaf, il peut exploser. Voilà. Donc c'est une petite bestiole ridicule dont on ne se méfie pas parce que c'est grand comme ça. Et puis c'est mignon, j'ai une petite boule rose avec des passions. Ouais, ça. Jusqu'à ce que... On l'a pas vu celle-là, on l'a pas vu, mais maintenant je sais, ok. Rien pour attendre. Et la deuxième, c'est la quenouille massue. Et ça, celle-là, on la doit... Là ? As-tu vu les quenouilles ? Exactement, on la doit à cette vidéo-là. Donc la quenouille massue, c'est une quenouille qui se balance au fil du vent et qui est en fait un métabolisme, c'est un végétal à chaque fois. Qui a un métabolisme un peu particulier puisqu'elle se nourrit de ce qui se décompose à ses pieds, comme beaucoup de végétaux. Sauf qu'elle aime aider la nature. Ah. Donc c'est une plante qui fait à peu près 2 mètres, avec une quenouille en haut, donc une chose un peu renforcée, un peu épaisse, dure comme du bois, et qui a l'intéressante particularité de pouvoir à volonté se plier pour asséner un grand coup de quenouille sur une tête qui passerait à côté, pour assommer la personne qui passe en dessous, qui ensuite se fera bouffer par les plantes et les animaux de l'humus, et ça fait le cycle de la vie. Voilà. Et il y a une deuxième variété de quenouille, là, j'ai peur, qui donc ne fait pas 2 mètres de haut, mais qui n'est pas encore en pleine croissance. Ah, ouais, ah,
Il y a des rimes qu'il ne faut pas faire parfois. Non. Okay. D'accord, ok. Et alors, je ne sais pas, peut-être, oui. Est-ce que c'est dernière question, me semble-t-il. Oui, moi j'en ai une. Ah, j'en ai une. Ah. J'en ai une pour vous. Son personnage, il va mourir. Enfin, en tout cas, je vais m'y employer. Non, je suis attaché, moi. Quel personnage vous voudriez que JBX joue pour sa prochaine incarnation? Ah oui, Rémi Chollard. Oui. Non. Oui. C'est moi qui joue avec. Non, ça va pas être possible parce que j'ai une fille et je veux pas la traumatiser. C'est pas déjà fait. Ça commence tout doucement, ça commence, mais quand on lui chante pom 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 pour qu'elle s'endorme. Ouais. Par exemple. Donc à part Ménestrel. Sam Locke, ça me dit quelque chose, Sam Locke. Le sous-fifre de Bégal. Ah oui, Sapnock, ah oui. Mais bien sûr, maître. Hein. Mais ça serait un sous-fifre de trucs mauvais, en fait. Je sais pas si on aura une équipe mauvaise un jour. Non, mais on pourrait. Alors, on fait des styles suppléments. Aussi. Effectivement, il y a des suppléments qui viennent de sortir, qui viennent il y a quelques semaines. Mais bon, à l'échelle d'un épisode de Reflet d'Acide, il y a eu des suppléments pour jouer le sbire de donjon, qui est un métier pour les personnages qui n'ont pas eu de chance au tirage de leur carac, et pour jouer le bourreau. Et puis, comme d'habitude, on peut aussi jouer du gobelin, on peut jouer de l'orque, etc. Donc on pourrait faire une équipe mauvaise, une équipe de sbires de donjon, en fait, à qui il arriverait des bricoles. Ouais, pourquoi pas. On verra. C'est encore une idée débile, ça. Oh là là, dans la longue série des débiles. Ok, donc merci. Demi-elfe nain quadriclassé. Ah oui, aussi. On peut construire cet homme. Juste pour la question d'équilibrage, comment on fait pour équilibrer un jeu en ne respectant pas les règles du jeu Ah, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, effectivement, Manioud ici présent, c'est un des MJ très réguliers de la communauté. C'est aussi quelqu'un qui connaît très bien les règles, parce que tout simplement pour bien faire son travail, il les étudie. Et nous, quand on joue avec John Lang, on fait n'importe quoi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on prend pas de spectateurs, pour garder une image un peu de gens sérieux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Pas longtemps. Et c'est, en fait, c'est une vraie question qui a une vraie réponse, et je crois qu'on est d'accord, en fait, John est d'accord. Oui, ça reste un jeu où on doit s'amuser. Et tout doit servir la fluidité du scénario et la fluidité de l'histoire. Ouais. À partir du moment où on se complexifie à regarder quatre tableaux, report à la page 594, comparaison de la donnée de machin, Chacun, tu nous parleras de Fatal après, et de ces 1000 pages de règles, de ces 800 tableaux, on perd en fun. On gagne en réalisme, il y en a qui apprécient beaucoup ça, mais on perd en fun, on perd en histoire. Et la balade, déjà que je l'aurais prévue, techniquement, il y a 400 km, c'est pas énorme. Aux aventuriers de Nalbeux, ça leur prend quoi? Quelques heures de saga MP3? Une grosse semaine. En temps réel, j'ai prévu un an. À une partie d'un soir par semaine. Ouais. Ça fait beaucoup. Si en plus on est ralenti par des considérations purement basiques sur technique et tout. La règle, sur la technique, déjà qu'on s'arrête tous les ans. T'avais sorti ton épée? Ah non. Bon, bah tu peux pas parer alors. Voilà. C'est ça, il y a beaucoup de paramètres à gérer. On fluidifie, on adapte la règle au jeu pour justement passer un bon moment. Toujours pareil, le point de vue des joueurs n'est pas du tout celui du maître du jeu. Le MJ va essayer de fluidifier effectivement toute l'action, de faciliter les choses, d'être arbitre. Voilà, pour essayer que voilà, le scénario quand même aille quelque part. Donc bon. C'est aussi pas toujours évident. C'est aussi pour ça qu'on joue au jeu de rôle du donjon de Nalbeuk et pas à Reflet d'Acier. Non, mais nous on faisait n'importe quoi, parce que moi j'improvisais beaucoup, donc pareil, j'étais dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que c'était un peu plus lourd, puisqu'il y avait des aspects techniques un peu plus poussés, mais bon. On va prendre la toute dernière question, ouais, puis on va laisser la place à Corben. Non, ah, monsieur Corben, qui ne veut plus venir parce qu'on a pris trop de temps. Ah, c'est pas une dernière question. Ah, c'est la dernière question. Ah, t'as une question. Ah voilà, quand est-ce qu'on part, voilà. On va rester alors. Mais non, mais c'était la dernière question. Merci voilà. Corben. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir pu nous voir. Ah,
Je n'ai pas entendu cette question, mais merci beaucoup d'avoir entendu. Donc la suite de la saison 2 dans quelques... années. À bientôt. Merci encore.